sécurité. Trois femmes, un lieutenant-colonel, deux majors et deux soldats du rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre, sont aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme, qui sont tombés dans le filet de service de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements, qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. Quatre autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments fardissiers ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et de vente d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobou à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigeur avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminel sont appréhendés avec les engins roulants, facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Louboya Kachama Johnny, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc, mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitation, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête, aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes.